forces de défense et de sécurité d'évacuer par force, si ce délai est dépassé, toute personne se trouvant dans ces lieux. Malheureusement, force est de constater que jusqu'à l'heure où je parle, aucun employeur n'a daigné bouger d'un iota, si comme l'État n'existe pas. Alors, nous passons à une vitesse supérieure. Nos forces de défense et de sécurité, sous le contrôle du ministre de la Défense présent ici, sont instruits pour déclencher les opérations terre, air. Nos forces de défense et de sécurité, vous êtes ordonnés, terre, air, de détruire tous les gros engins et toutes les citernes en eau qui continuent à tourner en bourrique dans cette localité. De la même manière, vous êtes ordonnés à brûler, je dis bien à brûler, tous les magasins gardant les matériels d'orthopéage et autres matériels, jusqu'à ce qu'il y ait personne, je dis personne, dans ces zones de Miski et de Kouribougoudi. C'est des ordres, et ces ordres ne doivent souffrir d'aucun manquement.